Salut à tous, alors quelques petites choses à vous dire avant de commencer la vidéo. Tout d'abord, pourquoi une vidéo de jeu? Alors c'est parce que je n'ai pas le temps de faire une vidéo basique, j'ai envie de dire. Et faire une vidéo de jeu peut être intéressant puisque ça fait des vidéos et en même temps ça me permet de m'amuser tout en restant en contact avec vous. Alors ensuite, pourquoi Evil Within pour cette première vidéo? Eh bien c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Evil Within. Et vu que de nouveaux jeux vont sortir, eh bien autant continuer un peu Evil Within. Alors, on va tout de suite commencer à peu près cette partie, hein, en retrouvant où il faut aller, parce que je ne sais plus. Et bien oui, je ne sais plus. Apparemment, c'est pas là. Si, c'est là, peut-être, je sais pas. Ah, si, c'est là. Voilà. Alors, il est possible que je fasse des vidéos avec d'autres personnes aussi. Hein, et peut-être pas que. Ouh, putain, une bombe. Il est possible que je fasse des vidéos avec d'autres personnes. Alors, pour Evil Within, ça va être compliqué, vous comprendrez. Mais pour d'autres jeux, ça peut arriver. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer de dégager la bombe, parce que sinon, ça va me poser quelques soucis. Oui, j'ai encore quelques bases, malgré tout. Ok, c'est pas ce qu'il fallait faire. Génial. Plus de munitions. Ah, c'est con, ça! Bon, alors, comment est-ce qu'on fait exploser une bombe? Je ne sais même plus comment on fait exploser la bombe. Oui, si, on se met en contre, oui, je sais, merci. Mais pourquoi elle fait boum que quand je passe devant, salope? On va y aller par la fenêtre. YOLO. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Peut-être que monter en haut serait pas une trop mauvaise idée non plus. Hein. En plus, je sais même plus ce que je dois faire. Oh, bah tiens, on va brûler. Allez, brûlons des zombies. Voilà, on fait un peu le nazi comme ça, mais. Je suis quelqu'un de très sympathique sinon. Alors, je vais regarder s'il me donne les objectifs quelque part, puisque je ne sais plus. Archive, archive. Non. Non, d'accord, bah, je vais me débrouiller alors. Hein. C'est pas grave. Bon, après, il va peut-être me falloir une bouteille. Là où j'ai pas de bol, c'est que la bouteille elle est tombée en fait. Ok, d'accord, donc c'est un fail. D'accord. Bon, bah, ça commence bien. Vous voyez que je suis un joueur très expérimenté, hein. Très doué aussi. Alors, je vais essayer de ne pas mettre trop de temps non plus sur cette vidéo parce que je sais que ça peut être. Ne... Enfin, ça ne. Je n'ai plus mes mots, mais en gros, c'est pas agréable. Voilà. C'est dit difficilement, j'ai l'impression. Voilà, ça peut ne pas être très agréable. Mais on va essayer d'en faire quelque chose de pas trop chiant non plus. Alors, est-ce que je suis vraiment allé au bon endroit en fait? Parce que vu que je ne me rappelle plus ce qu'il faut faire, est-ce que j'avais pas une autre mission quelque part? Pour ceux qui me disent, il y a un miroir au bout du couloir, je sais, j'y suis allé juste avant. Bon, je vais peut-être essayer d'y retourner. Alors, comment est-ce qu'on sprint déjà? Je ne sais plus. Non, c'est pour s'accroupir. C'est difficile de sprinter quand tu t'accroupis en fait. Hein. Alors, évidemment, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je ne sais pas s'il y aura du son. Comment dire, je ne sais pas si on aura du son. Si on aura le son du jeu. Parce que d'habitude, je fais aussi des vidéos. Enfin, j'ai déjà fait quelques vidéos live où il n'y avait pas ma voix, mais. Comme dit, c'était vraiment. Ok, c'est peut-être pas une bonne idée de lancer la bouteille quand t'es à côté, hein. Oui, donc j'ai fait quelques vidéos, mais il y avait pas. Enfin, il y avait le son du jeu, mais en même temps, c'était du live et il n'y avait pas ma voix dessus, donc ça n'a peut-être rien à voir. Alors, par contre, si on reste bloqué à ce niveau-là, ça va pas le faire, hein. Ça, faut le comprendre tout de suite que. Mais pourquoi vous voulez que je me cache là-dedans? Voilà. Donc là, c'est pour épier les filles dans les vestiaires. Bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas de filles et il y a que des zombies, mais. Non mais ça peut être bien aussi d'admirer des zombies. Mais bon, du coup il n'y a pas trop besoin de se cacher non plus. Oui je vandalise un peu la maison. Je sais pas, c'est une base, hein, c'est ce qu'il faut faire normalement. Donc je fais. Bon, on va essayer de lancer cette bouteille de merde. Alors est-ce qu'il faut que je fasse ça? Alors j'essaie de lancer directement dessus. Ok, j'ai dit directement dessus Dylan. Cours frère. C'était aussi simple que ça, d'accord. Donc vous pouvez officiellement m'insulter directement, ça ira plus vite. Par contre, si je tombe sur un zombie, je suis un peu dans la merde, étant donné que je n'ai pas de balles. D'accord, m'accroupir sous le lit, non merci. Dans cette maison. Je vous rappelle que je n'ai plus de jeu, donc si je flippe comme une tapette, c'est normal. Hein. Et d'ailleurs, j'entends un zombie, j'ai moyen ça. Du coup, non mais fais pas ça. Je vais m'accroupir. M'accroupir, c'est bien m'accroupir. J'aime bien. Est-ce que les zombies sont à mon étage ou est-ce qu'ils sont en dessous? En dessous c'est sûr, est-ce qu'ils sont aussi à mon étage? Non, pas pour l'instant. Je vous rappelle que je n'ai plus de balles.
Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le suicide ou de refaire ma vie à l'étranger? Non, parce que je ne suis pas Orelsan. Voilà, la blague, c'est fait. Maintenant, je suis en train de me... Oh putain, là, mais... Qualité gamer. Attention. Hein. Vous pouvez pas me tester. Bon, j'ai retrouvé comment on court, c'est déjà ça. Ouais, mais du coup, faut que je redescende. Mais non, mais je vais me faire exploser, là. Allez. YOLO! Mais cours! Est-ce qu'il y a une porte? C'est pas grave, je vais sortir par là du coup. Alors, je vais juste regarder le temps que dure de la vidéo, d'accord, ça va. Il n'est pas si long que ça pour une fois. Alors évidemment, c'est c'est pas du plan séquence parce qu'on est pas au cinéma, mais c'est ça. Il n'y aura pas vraiment de montage sur cette vidéo puisque je le filme directement depuis la PS4, hein, donc voilà. Les réactions sont forcément plus sincères que dans une vidéo habituelle et dans une vidéo montée, mais ouh putain, mais qu'est-ce qui me tire dessus là? Les zombies n'ont pas d'armes à la base. Hein. Je me planque. Ah d'accord, donc en fait, il y a un mec au sniper qui veut me buter. Merci, gars. Ça fait plaisir de voir qu'on s'entend bien même quand il y a des zombies. Mais arrête, me tire pas dessus. Je veux juste te rejoindre. T'as pas besoin de me flinguer. Non, mais me tire pas dessus, frère. Ah, mais c'est un zombie, d'accord. Du coup, moi, si je pouvais m'évader, voilà. Merci. Tu restes dehors s'il te plaît. Oh, une flèche. D'accord. Oui, non, en fait, c'est bien d'avoir des flèches, mais c'est bien aussi quand t'as des armes. Tu sais, genre des vrais. Alors, est-ce que je peux. Putain, mais essaye de le frapper, merde, fais quelque chose. Comment je range mon arme? J'aimerais ranger mon arme en fait. Voilà. Voilà, donc la caméra filme super bien, hein, comme vous le voyez. Nous avons de gros plans de bataille, et je suis mort. Voilà, c'est... Non mais c'est spécial, hein, mais c'est... Voilà, voilà, je suis un très bon joueur. Bon, les écrans de chargement sont toujours aussi classe, c'est déjà ça. Alors, je dis toujours aussi classe, mais en vrai, ça a toujours été les mêmes dans les villes usines, hein, mais... Ne faites pas attention à ce que je dis, concentrez-vous sur le jeu. Oui, dans ce cas, ça sert à rien que je mette ma voix dessus. Je sais, merci, mais quand même. Bon, je pense qu'on s'arrêtera à 15-20 minutes de vidéo, ce serait bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, en fait, mais... Quoi, mais non, on me fait respawn ici, c'est de la triche. Merde. Ouais, c'est quoi ça? Disparu, agent Oscar Conin. Non, disparu pendant sa patrouille. Sa voiture est abandonnée au bord de la ville. Je peux savoir ce que ça peut me foutre au juste? Est-ce que c'est juste un élément de scénario? Par contre, il me semble avoir gagné des points de... Non, j'en ai toujours 400, ça sert à rien. Alors, je ne sais pas du coup si le son sera sur la vidéo, mais je ne sais pas s'il sera aussi fort que dans mon casque. Mais si c'est le cas, je suis désolé pour vos oreilles, puisque le bruit du miroir est absolument infernal. Hein. Allez, go. Bien, non, mais ne sors pas ton arme, arrête ça. Où c'est que je dois aller maintenant? Et on va brûler quelques cadavres si tu veux. Allez. Alors, normalement, il y a un mec au sniper là-haut, c'est ça? Ok, mais c'est bon, je cours, hein. Enfin, j'essaye. Mais mon personnage n'a pas l'air très motivé. Oh, mais me tire pas dessus comme ça, toi, frère. Calme-toi, déstresse. Recule. Et les zombies, arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît. Là, vous me faites juste peur. Est-ce que je peux savoir pourquoi mon personnage reste bloqué quand il y a un tir de fusil à pompe? C'est inutile. Mais vraiment. Toi là. Voilà. Voilà, on a un meilleur. On voit mieux déjà, c'est déjà ça. Par contre, est-ce qu'il meurt celui-là en fait un jour? Parce que là. Voilà, c'est bon. Deux coups de croche, je suis mort. On va peut-être essayer d'arrêter de l'attaquer lui. Commencer par trouver. Quelque chose qui ressemble à, je ne sais pas, des balles par exemple. Ou alors on va faire ma technique habituelle, c'est-à-dire sprinter au milieu des zombies et se barrer. Ça me paraît être un bon truc. Alors, on est au chapitre 3 dans les grilles de la Horde. Donc, en fait, c'est pas que je n'ai pas fini le jeu, c'est que je l'ai à peine commencé. D'accord, autant pour moi. Voilà, voilà, j'ai dit beaucoup de bêtises dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, ça, on a l'habitude, hein. Et vous devriez prendre l'habitude parce que ça sera souvent le cas. Puisque je ne suis pas quelqu'un de très sérieux dans la vie.
Alors comment est-ce que je retourne dans mon inventaire comme tout à l'heure là? Vous savez, j'avais fait une mauvaise touche et j'avais trouvé un truc bien. Ah c'est ça, voilà. Alors est-ce que j'ai... Oh j'ai des seringues, bah voilà, autant utiliser une, pourquoi tu te fais chier? J'ai de la vie en plus. Mais enfin, qu'est-ce que... Ah j'ai de la lumière. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Oh putain. Bon écoutez, je pense qu'on va faire une dernière tentative, ça fonctionne pas, on s'arrêtera là, parce que voilà. Je n'ai pas d'argument, mais j'en ai marre de mourir, alors autant ne pas continuer indéfiniment à mourir, disons. Ça serait bien. Moi j'aime bien en tout cas ne pas mourir. Alors, on va déjà essayer de foncer là, hein, parce que apparemment ça doit être ouvert. Oui, c'est ouvert. D'accord. C'est charmant comme endroit. C'est. Il y a quelqu'un qui crie. Enfin, quelqu'un. Un zombie. Je suis dans une maison qui apparemment a l'air très nettoyée. Ouais, va peut-être falloir appeler une femme de ménage. Hein. D'accord. Donc en fait, c'est une maison vide. Peut-être que je suis déjà passé par ici à la base. Ouais! Il y a des mouches! N'empêche que les mouches font plus de bruit que les zombies. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, je suis en altitude, attention. Je suis en apesanteur. Lumière. Pas lumière! Non mais je me barre, hein, j'ai pas envie de le tuer. J'ai pas le temps. Mais vas-y, mais t'es fatigué, t'es sérieux d'après. Alors moi, on m'a toujours appris qu'on avait de l'adrénaline. Ok, donc c'est un one shot. Non? Non, j'ai encore de la vie, pourquoi tu me fais one shot là? S'il te plaît, barre-toi, très vite. Quoi, c'est fermé, nique ta race. On va sortir par la fenêtre. Hein. Allez, go! Est-ce que je peux... Voilà, est-ce que je peux utiliser ma seringue? Je n'ai plus de seringue, d'accord, j'en avais 3 avant quand même. Hein. Ou alors c'est moi qui sais pas lire les trucs du jeu. C'est possible. Ok, d'accord. Ça tente de me tuer et tout. Donc là, j'essaie surtout de m'évader en fait plus qu'autre chose. Parce que voilà, j'ai la mort aux trousses. Oui, je sais que c'est un film. C'est une blague faite exprès, hein, je vous rassure. Bon, si tu peux monter un peu plus vite, ça m'arrangerait. Parce que là, voilà quoi. C'est pas flash. Hein. Là, c'est plus moi le week-end. Voilà, donc on récupère un petit peu de drogue, tranquillement. Et on reste caché en haut. Pourquoi on reste caché en haut? Parce qu'on a peur. Puisque nous sommes une victime. Et maintenant, je suis en train de regarder si je n'ai pas autre chose. Genre quelque chose de plus pratique. Et maintenant, faut que je fasse de la merde. Voilà, alors, lumière, peut-être pas, ça servira pas à grand-chose. Bon, on va peut-être essayer de redescendre et de y aller au... D'accord, j'appuie sur mon bouton. Ouais, d'y aller vraiment au feeling, et puis au pire si je meurs c'est pas grave, hein, on a l'habitude maintenant. Est-ce que je peux pas me faire glisser comme dans Red Dead Redemption, des jeux comme ça? Je ne suis pas sûr qu'on peut se faire glisser dans Red Dead Redemption, hein, je dis peut-être de la merde. C'est marrant parce que si les films et séries m'ont appris quelque chose, c'est qu'en général, il y a plein de zombies qui t'attendent en bas de l'échelle. Là pas du tout, là ils ont continué leur vie, ils s'en foutent. Oui je sais, c'est presque du suicide mais... Est-ce que je peux récupérer... Il y a marqué que je peux récupérer quelque chose. D'accord, c'était juste pour ça, juste pour la drogue. Ok, autant utiliser ne pas... Enfin, autant ne pas utiliser d'allumettes, ça servira autant. Bon, on va essayer d'avancer. Oh, ta race, toi. Là, là, oh, il a 4 pattes. C'est un cochon. Je crois que c'est un cochon. C'est un mouton? Ah, c'est un mouton, pardon, excusez-moi. Je suis juste très mauvais. Bon, s'il n'y a pas de zombie à cet étage, moi, ça m'arrange pas, hein. Oui, parce qu'en fait mon but depuis tout à l'heure c'est de trouver un zombie isolé et de le buter. Parce qu'ils arrivent qu'ils ont des balles sur... Oh, un piège à loup. On va essayer de pas se le prendre, ça va bien. D'accord, donc en fait j'ai juste fait... D'accord, autant pour moi. J'ai tourné en rond, ce qui est très pratique, hein. Ah, il y a des choses sur la table, c'est quoi? Une allumette, c'est pratique ça dis donc. Bon par contre si déjà il voulait nous faire ramasser une allumette, autant le présenter en tant qu'allumette. Ne nous présentez pas une boîte d'allumettes, s'il vous plaît. Je sais que c'est un élément scénaristique, mais il est tout de même. Non, je ne sais pas où je suis, non. Ah, mais je suis revenu à là où j'étais tout à l'heure en fait. D'accord, et donc là il y a une échelle. Il n'y a pas d'échelle.
Bah, ce que je disais tout à l'heure, en fait, je suis juste très très mauvais. D'accord, autant pour moi. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de descendre autre que celui que j'ai pris tout à l'heure? Oui, celui-là, d'accord, autant pour moi. Non, mais c'est bien, je vous montre le. Ouh, putain, t'es qui toi? Hé, mamie, qu'est-ce que tu fais? Recule! La bombe, la bombe, la bombe! Excusez-moi, je suis un petit peu en état de stress. Plus de munitions. Je peux pas lui mettre des coups de crosse là comme ça là? Non, c'est dommage, j'aurais bien voulu. Salut mamie! Allez bien! Allez, come on! C'est que t'as mal aux jambes mais quand même! En plus elle a un couteau en main la salope. Waouh! Je suis mort! Tué par une mamie. C'est la grande classe. Bon, et bien comme je l'ai dit, on va peut-être s'arrêter là. Ça doit faire déjà une bonne durée de vidéo. Je pense en refaire une bientôt. Quand, je peux pas vous dire encore. Je sais même pas quand sortira celle-là, alors bon. Voilà, voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle partie de jeu. Probablement sur Rainbow Six Siege. Voilà. Vous pouvez dire au revoir à la madame, s'il vous plaît? Allez, tout le monde dit au revoir à la madame. Plus de munitions. Non, je dis madame. Bref, allez, à la prochaine. Ciao!